Bonjour à vous tous. C'est une vidéo très très spéciale et j'ai besoin de vous. J'espère que si. Donc comme vous le savez, je suis revenue en France pour aider mon père, le soutenir du côté du Vercors, du côté de Lyon. Et d'ailleurs, vous avez été nombreux à me proposer des cartons et tout. Et le 27, j'ai eu un coup de téléphone pour me dire que ma mère est décédée. Brutalement, on s'y attendait pas du tout, du tout. Et en fait, j'ai enfin réussi hier à savoir ce qui s'est passé. En fait, elle a eu une crise cardiaque. Donc, quelque chose de totalement improbable. Le 27 même, je vais en parler parce que vraiment, il y en a qui parlent de YouTube comme si c'était une horreur. Moi, je peux en dire que du bien. J'étais avec des abonnés, Pascal et Didier, et ils ont été absolument fabuleux. Ils sont venus chez mon père. Didier montait carrément sur mon camping-car à réparer mon lanterneau, à réparer. Il lui a donné une autre vie, surtout que je puisse prendre le camping-car et partir pour traverser la France. Merci Didier, Pascal, son amoureuse était là aussi, m'a beaucoup beaucoup aidé moralement. On a essayé de réfléchir à ce qu'il fallait que je fasse, etc. Et le 28, j'ai pris la route donc avec mon camping-car et Cassie, pour venir du côté de Bordeaux, de Libourne. Donc là, je suis dans la résidence où ma mère était. Et là, j'ai vraiment besoin de vous parce que ma mère avait des meubles dans son appartement. Deux, trois meubles vont être récupérés. Par contre, les autres, je ne sais pas du tout quoi en faire. Il y a aussi de la vaisselle, il y a des livres, il y a de la vaisselle de tous les jours, il y a de la vaisselle beaucoup plus jolie, des jolis verres. Je vais récupérer quelques bricoles, mais il va rester des meubles. Je vous fais voir ça tout de suite. Donc, si vous voulez bien venir récupérer des meubles, récupérer des vêtements pour les donner, donc il n'y a que des vêtements de femmes. Et vraiment, ça m'aiderait beaucoup que vous veniez récupérer ces meubles, que vous veniez aussi avec éventuellement des cartons pour si vous voulez des petites choses. Il y a plein de petites choses, je vous fais voir ça tout de suite. Donc ça, c'est pardon, une commode, bon, comme tu vois, moderne. Ça, c'est un meuble noir, normalement, pour les CD. Bon, mais elle fait des étagères. Toutes les petits objets et tout sont à récupérer aussi. Là, le pot de fleurs, la petite chose en osier aussi. Ce vaisselier avec beaucoup, beaucoup de vaisselle, de la jolie vaisselle. Donc là, il faut prévoir quand même un véhicule grand. Un meuble console en bois massif. Pareil, tous les petits objets. La télévision, sûrement. Je ne sais pas si quelqu'un sera intéressé par la télévision. Une bibliothèque, donc il y a trois. En fait, ce sont trois bibliothèques mises ensemble, mais ça se démonte. Donc, amenez des outils si vous voulez. Il y a des livres, il y a plein de petits objets, comme j'ai dit. Ce meuble de rangement, donc deux portes avec étagères dedans, deux tiroirs en bas.
Voilà les deux tiroirs. Ça, c'est un meuble de salle de bain. Je vais vider au mieux, hein, en attendant, bien sûr. Notre rangement en haut. La table de chevet, la lampe, le lit, c'est un lit de 140 avec le sommier et matelas, le secrétaire. Là, c'est un petit meuble à bijoux. Là, puis il y a un tiroir, voilà, tiroir. Et puis cette commode. Cette commode que j'aime beaucoup d'ailleurs. Donc voilà, tu as tout vu. Écris-moi à mon adresse mail privée. J'espère pouvoir rendre l'appartement parce que tant que je n'ai pas vidé l'appartement, je paye le loyer. Donc là, je pense qu'ils vont me faire. J'espère qu'ils vont me faire payer que la moitié du mois de novembre. J'espère pouvoir rendre les clés au maximum, maximum le 15 novembre. Donc, s'il te plaît, si tu peux venir pour m'aider, pour vidanger tout ça, là, bien sûr, je vais y aller. Je vais vidanger petit à petit. Mais en tout cas, vraiment, ça me ferait beaucoup, beaucoup de plaisir de donner ces meubles à des gens qui en ont besoin. J'ai oublié de dire, il y a un lave-linge aussi. Il y a un lave-linge, il y a un micro-ondes. Et le micro-ondes, je ne sais pas si quelqu'un va pas le prendre avant. Donc, tu m'écris sur mon adresse mail privée, lesnuancesd'ambre@gmail.com. Point, je sais même plus, je te le réécris. Merci, merci par avance. Salut.